Bonjour mon cher Tom, j'espère que vous allez bien. Sarah quitte ce monde à l'âge de 127 ans. La Torah nous dit Mea Shana Vesrim Shana Vesheva Shanim. Elle quitte ce monde dans la ville de Kiryat Arba, qui est la ville de Hebron, alors que Avraham, lui, était installé à Be'er Sheva après la Akedat Yitzhak. Avraham vient à Hebron pour pleurer sa femme et surtout lui trouver une sépulture. Alors il rentre en négociation avec les Bénéchètes, qui sont des descendants de Canaan, pour acheter une sépulture à Sarah. Il a repéré une sépulture, une Mehara, une grotte double, qui se trouve dans le fin fond d'un champ appartenant à un homme qui s'appelait Éphron. Alors il rentre en négociation avec eux, mais eux disent non, 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 il n'y a pas de négociation. Tu es quelqu'un d'important, Nessé Elukimata, prends gratuitement la sépulture que tu souhaites. Et Avraham insiste pour payer Bekesef Malé, pour payer avec toute la somme d'argent qu'il le faut. Et donc, la négociation se fait. Éphron, qui était au départ prêt à tout donner gratuitement, demande une somme de 400 shekels d'argent et Avraham paye Bekesef Malé. Le rabbi explique qu'ici, il y a une notion très importante qui est développée dans le Zohar. Le Zohar explique que du côté de la Kedusha, tout se paye. Tout a une valeur. Maratha Marpella ici représente la porte de tout notre filote. C'est le caveau dans lequel sont déjà enterrés Adam et Chava, Adam et Ève, mais maintenant Sarah, puis Abraham et encore Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. C'est un endroit très très important. Cet endroit très très important ici, c'est la symbolique de la Kedusha, de la sainteté. Les forces du contraire de la Kedusha, ceux qui ne veulent pas la sainteté, ont tendance à aller vers la gratuité. Prends, prends, c'est gratuit, prends, prends, on va rien te demander. Alors que le Zohar nous explique, le fait que Avraham insiste tellement à payer, c'est pour nous montrer l'importance que dans la Kedusha, dans les choses de la sainteté, ça doit coûter, pas seulement financièrement, mais un effort. Aujourd'hui, dans notre société, on a tellement tendance à voir tout facilement, tout gratuitement, tout des fois avec le bout de nos doigts, qu'on a oublié la notion d'effort. Et donc, lorsqu'on est face à un effort pour les choses de la Kedusha, pour les choses de la sainteté du judaïsme, faire Shabbat, manger kasher, faire cette fila correctement, étudier la Torah de manière régulière et structurée, on a tout de suite l'impression que c'est trop dur, ça va pas assez vite, c'est pas gratuit. Non, la Kedusha, la sainteté, c'est pas gratuit. Le Zohar dit, et c'est développé longuement dans beaucoup de livres, que effectivement, les choses qui ont de la valeur, alors demandent un effort. C'est pour ça qu'Avraham, alors qu'Avraham était propriétaire de la terre d'Eretz Israël, et c'est ce qu'il dit au Bnei Chet, Ger moi je suis résident aussi, Dieu m'a donné cette terre. Je pourrais très bien vous dire, je ne récupère que ce qui m'appartient. Mais symboliquement ici, il paye, il achète, et il montre que pour les choses de la Kedusha, nous sommes prêts à faire des efforts. Alors, il ne faut pas se laisser tenter par la facilité, par la gratuité, par le fait que tout est là d'une manière tellement facile. Les choses qui comptent ne sont pas là facilement. Demandent de l'effort, demandent du temps, demandent un investissement, demandent des changements pour pouvoir y arriver. Je vous souhaite une bonne journée.